Bonjour, bienvenue au 4e salon de la création d'entreprise organisé par l'IAE. Vous voyez derrière moi des stands de plusieurs formations. Il y a des formations de Master 1, système d'information et innovation, et formation continue en management, et de Master 2, entrepreneuriat, MAE et manager international. Toutes ces formations vont présenter 35 projets de création d'entreprise. Donc, ils ont travaillé des business plans qui seront soutenus pendant 8 minutes devant des jurys. Les jurys sont nos partenaires habituels comme les chambres consulaires, les business angels, le réseau entreprendrisaire, les femmes chefs d'entreprise. 40 membres du jury donc seront présents, et sur les 35 projets qui sont présentés, il y a 18 projets réels, donc portés par des étudiants qui vont se lancer dans un avenir très proche. Chic, c'est une marque qui est destinée aux femmes au grand pied. Parce qu'en France, à partir du moment où on chausse du 41, c'est une vraie galère pour se chausser. Alors, on a des tongs, qu'est-ce que vous allez faire pour du 41? Alors, notre cœur de produit, c'est l'escarpin. On aura des sandales, des bottes, des bottines, des mocassins, toute une panoplie. Alors en fait, nous, on crée une plateforme web. En fait, on permet à chaque créateur de déposer ses visuels à la vente. Donc en fait, nous, on propose à nos clients une sélection d'œuvres originales vendues en édition limitée, et le tout pour moins d'une centaine d'euros. Donc grâce à un partenariat industriel et stratégique, on a la possibilité de lancer des impressions pour des prix vraiment abordables, et du coup permettre à chaque créateur d'être moteur de ses ventes et de les proposer directement à ses clients. C'est toujours un plaisir de venir à ce salon parce qu'on rencontre des étudiants enthousiastes, des projets innovants et parfois même surprenants. Et c'est toujours vraiment très rafraîchissant de voir les étudiants avec leur motivation, leur créativité qui apportent des solutions vraiment très sympathiques. Et c'est aussi très intéressant de voir un an plus tard, deux ans plus tard, des gens qui ont concrétisé et qui développe des trucs bien sympathiques. Et sur le salon, quand tu as un stand, un projet à évaluer, quels sont les critères qui sont importants pour toi? Les critères sont bien sûr l'originalité, mais surtout aussi la passion que les étudiants font passer à travers leur regard, à travers ce qu'ils disent, à travers la façon d'aborder les choses. L'idée est importante, mais la capacité à la vendre, à la porter, à transmettre l'enthousiasme, tout aussi importante.